En ce lieu, Excellence, pour nous, c'est encore une fois une preuve de l'intérêt que vous ne cessez d'apporter à nous. Depuis maintenant plus de 2 ans, le monde entier, y compris notre province, est en train de la grande activité de vaccination que nous avons commencé depuis 6 mois. Vous avez reçu il y a quelques jours, au travers le vice-gouverneur, des vaccinations que nous avons déjà commencé depuis 6 mois, comme je disais tout à l'heure. Nous n'allons pas vous prendre. Ah, c'est une dose. Dans le flacon, nous avons 6 doses. On allait passer à la table d'enregistrement. D'accord.
Lui, il est sensible au Barça. Depuis toujours. Bonjour. Quel sens vous accordez cette opération que vous venez d'avoir les vaccins ici? Il y a deux ans que la COVID-19 est apparue au monde et notre pays n'en est pas épargné. Notre province aujourd'hui, surtout la ville de Goma, est la deuxième ville la plus contaminée, après Kinshasa. Et comme vous le savez, la province du Nord Kivu compte plus ou moins 11 à 12 millions d'habitants. Et depuis tout ce temps, nous sommes témoins, nous tous, ravagés par cette maladie. Et le gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de la population le vaccin. Aujourd'hui, nous avons deux types de vaccins ici, au Nord Kivu. AstraZeneca et le Pfizer, qui vient d'arriver. C'est à cette occasion que je lance un appel vibrant à toute la population du Nord Kivu de se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est se protéger. C'est s'aimer et protéger aussi sa famille. Nous avons donné, comme on dit en notre jargon, le go. Je veux voir toute la population se faire vacciner. C'est bon, parce que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais nous appelons la population à se faire vacciner. Parce que c'est fait vacciner, c'est s'aimer et aimer aussi sa famille. Quand on aime sa famille, on a protégé sa communauté, on a protégé sa province et pourquoi pas toute la République. Merci, Excellence. Le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, a reçu ce mercredi 6 octobre 2021 sa première dose du vaccin de marque Pfizer à l'hôpital provincial du Nord Kivu. Ceci marque le début de la campagne de vaccination volontaire contre la pandémie de Covid-19 qui a endeuillé plusieurs familles au Nord Kivu. Il était impérieux pour l'autorité provinciale de montrer l'exemple dans le cadre de la prévention contre la Covid-19. Avant l'administration du vaccin, le gouverneur a reçu les explications sur le fonctionnement de la chaîne de vaccination. Constant Dima appelle la population du Nord Kivu à l'adhésion massive à cette campagne de vaccination volontaire. Le gouvernement de la République, pour la protection de sa population, a tout fait pour mettre à la disposition de la population le vaccin. Aujourd'hui, nous avons deux types de vaccins ici, au Nord Kivu, AstraZeneca et le Pfizer, qui vient d'arriver. C'est à cette occasion que je lance un appel vibrant à toute la population du Nord Kivu de se faire vacciner. Se faire vacciner, c'est se protéger. C'est s'aimer et protéger aussi sa famille. Nous avons donné, comme on dit en notre jargon, le go. Je veux voir toute la population se faire vacciner. C'est bon, parce que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Mais nous appelons la population à se faire vacciner, parce que se faire vacciner, c'est s'aimer et aimer aussi sa famille. Quand on aime sa famille, on a protégé sa communauté, on a protégé sa province et pourquoi pas toute la République. Le directeur de cabinet du gouverneur, M. Pierre Ovid Litté, et le commissaire provincial de la police, Abba Van Hang, ont reçu également leur première dose du vaccin en présence de partenaires du gouvernement congolais. Pour une prévention contre la Covid-19, la population du Nord Kivu a le choix entre différents vaccins. C'est notamment AstraZeneca, Moderna et Pfizer. Laisse.
travail. Vous la poussez. Merci. Nous sommes ensemble. Merci. Je suis très content que toute la population suive de se faire vacciner massivement. Je crois que ce n'est pas obligatoire, mais c'est volontaire. Donc, face à cette pandémie, face à cette maladie qui ne pardonne pas, il faudrait que le militaire soit en parfaite santé, en bonne santé. Et s'il est en bonne santé, il saura défendre la République, il saura protéger la population. C'est pourquoi vous voyez, vous avez vu aujourd'hui les militaires avec à leur tête Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province du Nord Kivu venir se faire vacciner. Quel message vous donnez à la population étant comme l'exemple que vous venez de donner, quel message vous pouvez donner à la population qui fait des tractations par rapport au vaccin? D'abord, le message aux militaires et particulièrement à tous les officiers de l'armée et de la police nationale congolaise de suivre l'exemple de Son Excellence, Monsieur le Gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Et à la population de ne pas avoir peur de se faire vacciner, puisque sans vaccin, il y a des problèmes, il y a des risques. Donc, autant se faire vacciner comme on l'a fait pour Ebola, pour affronter cette pandémie sans problème. Merci. Merci. Vous n'allez pas développer une forme trop grave de la maladie. Et c'est pas facile pour vous, justement, de contracter ce virus. Parce que c'est un virus qui se transmet, qui est contagieux et tout. Donc vous vous protégez et vous protégez les autres. Il s'agit de quel vaccin que vous venez de donner? Parce qu'il y a des types de vaccins. Justement, plusieurs types de vaccins. Nous avons commencé en avril de cette année avec AstraZeneca. Maintenant, nous venons de recevoir un premier lot de Pfizer. Et c'est Pfizer aujourd'hui qui vient d'être, l'activité est lancée par cette première dose que l'autorité provinciale vient de recevoir. Merci. C'est moi qui vous remercie. L'extension de la campagne vers les autres. C'est maintenant le début. Comme l'autorité provinciale vient de recevoir sa première dose, maintenant nous allons commencer la vaccination le plus rapidement dans toutes les autres zones de santé, toutes les villes, tous les territoires. Parce que ce Goma qui donne l'ego, juste une bonne semaine pour déployer les équipements au niveau de toutes les zones de santé et les activités vaccinales pourront démarrer de la meilleure manière partout. Na ina madhara gani? Kwa sasa ni vaccine yenye tunapana kabisa, madhara haiko kabisa kwa sana. Ni kusema mtu akipata hiyo ndui anaweza kuwa na madhara ya juu juu kama homa, kama maumivu kwa fasi alipata ndui, akiweza kupata pia kichwa kuuma. Meni ya muda kwa sababu kisha ndui anaweza kupata, anaweza kutumia hata paracetamol na itamsaidia na hiyo madhara inapita. Ni chanjo ni dozi ngapi? Tunapana kwa muda kwa sasa dozi mbili. Ni kusema tunaanza dozi ya kwanza kisha siku 21 ama siku 28 mtu anaweza pita kupata yake duru ya pili. Na tunapana kitambulisho kama karte ya vaccination. Na wakati mtu amepata hiyo dozi mbili anapata hiyo karte avec code QR ya sécurisé. Siku zilizopita mmesema kwamba watu wa mimba hawatapata chanjo na watoto. Hii chanjo wanawake wenye mimba na watoto watapata? Hii chanjo tunaanza miaka 18 kupanda juu. Ni kusema kwa sasa hayakuwa kabisa ya muhimu kupatia watoto. Hata vile vile mwanamke wa mimba akikuwa anapenda apate chanjo tunaweza kumpatia vile vile. Asante. Nous avons commencé avec AstraZeneca. Nous sommes à l'étape de l'utilisation du vaccin Pfizer. Nous attendons aussi le Moderna. Et nous avons des sites momentanés au niveau de Goma, dans la zone de Goma et Karisimbi. Et probablement dans le mois qui suit, on va élargir cette vaccination dans l'ensemble de la province. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Je vous en prie.
Thank you.